Du mois d'octobre, Bozili Boka Kolanda Bisho à partir ya Mboka Congo, na katia ba village, na katia ba province, na katia ba localité, na ville province à Kinshasa, tope bino, na mikili ya bapaya, ba na Mboka Congo, mbote pe boebola mpona Congo, ya lelo e bandi, toza na bino elongo, ou ta ville province à Kinshasa, wabisika, tozali, André qui est en ya Congo Post Télévision sur TNT et sur notre page Facebook, ben de quoi YouTube, bonjour à Bisho juste après, merci. C'est Bella Nabino particulièrement pour nos commentaires, nos suggestions et nos conseils. Nabino, des osala que tokoba, osala mosala, ndenge bo lingaka, révision ou changement de la constitution, débat et zongi na mesa. Est-ce que, et c'est que le tout pour sa mandat, tata Mokambi Ekolo, si ma sortie médiatique, Yandeko Augustin Kabuya qui dit qu'en réalité, le chef de l'État gère Kaka 3 ans, Azalaka a gouverné Kaka en 3 ans au lieu de 5 ans sur papier, parce que le reste, il y a Batango et Azalaka, année électorale, puis année Liboso, année Yakoulukaka Kovandisaka, Makambo, gouvernement, puis tant d'autres. Est-ce que le 3 ans est suffisant pour te juger Bongo, tata Mokambi Ekolo, est-ce que Bazalaki n'a pas eu de temps que Bazalaki est bandé à pouvoir et que nous l'avons réalisé? Est-ce qu'il faut penser à revoir les choses pour donner plus de temps? Le lingue professeur Ndaiwel a proposé en son temps que tous un mandat moko unique pour 10 ans. Il y a de ceux qui proposent 7 ans. Il y a de ceux qui pensent qu'il faut ajouter un peu plus de temps au président pour éviter, pour lui permettre, bien sûr, à Kosa la Mosala, le lingue Longobani. Mais la constitution bloque. À quel moment la constitution bloque? Article ni la constitution pékisi mon sala et salema tolona tolia tozo et sengo pe mboka et se développer mon bekonini et permettre mon toiba na facilité mais au empêcher mon toi sala mon sala mbote na bino tout ça bande commissaire sur ce plateau te repartager sur ce sujet mais aussi sur les actions du gouvernement souminois ndakisa maya justice et ariko salema nandeko constant motambape bandeko mosu ya kati ya gouvernement oyo bien sûr bazali ko se démarquer mozali ko salema pendant ko la justice to ebi mwa mbutu mbutu ezalaki critique ko salema ki récemment polémique autour de la question sur mon amboka Jakenda, la lobby moleki, l'homme politique, Akenda qui a déposé plainte, n'a eu confirmé en gros, n'a parquet général, il y a grande instance, il y a Gombe, accompagné là-bas, avocat, n'a eu alors que, dossier en gros, Fongama qui déjà, n'a niveau à ministre, à justice, ou à Pesa qui, mais Tindo, que, et Fongama, peut-être, il va vérifier qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais Tolanda qui lobby conseil de sécurité, bah, Makanis Navango sur Est, Mboka Congo, tout ça, nous allons en parler, pouvez réagir. Justement, le numéro est affiché naba ya ba écran na bino poto kabola makanisi ya mboka na biso mboka ya ba koko me mboka lisusu ya bana na biso tozana ba invité misa sur ces plateaux de ko Mbenza Joseph, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes de l'UDPS mbote pebe voilà mbote maman Naomi Mpila, la grande journaliste et la professionnelle, je vous salue comme ça, sans polémique, sans tâche. Vous en avez race, il y a Chantal Kanimbo. Voilà. Voilà. On va dire. Té, dans ce temps là-bas, dans mon abino médiatique, il y a du n'importe quoi. Mais vous, exceptionnel et professionnel. Donc restez-y. Juste saluer, bande de Monanga, ton plateau, ton message là déjà. Que saluer, et puis sans oublier mon collègue Cheno et M. Boussembe, place à Sali. Sans oublier les Deus Ex Machina, le président de la République, la première ministre, madame la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, sans oublier le CG Kabuya, le secrétaire du plus grand parti du Congo. Donc, sans oublier une femme exceptionnelle que nous appelons la Jeanne d'Arc. Madame Aziza Mounana. Justement, j'allais parler d'elle. On dirait ouais. Yebaki, j'allais parler d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, vous êtes passé ici, oui, Bissi Bissou qui a dit ça, madame, Mazo s'est démarqué, puis bon, là, bon. Mais il y a des cas, il y a social, au Ndeko, maman Aziza, madame Aziza, Zako Simbate, notamment, question, il y a un viol, oui, Salima qui est en prison centrale, il y a Makala. Les lots, organisation des droits de l'homme, Mingezo Bimisa, il y a plus de 280 femmes violées.
abandonner la tristesse en abandon. Que fait ministre des Affaires sociales pendant ces temps? Il faut faire la part des choses dans les attributions de chaque ministre. Nous avons un ministre, le ministère des droits humains. Faites très attention quand nous évoquons des choses qui n'entrent pas dans les attributions de Mme Aziza. Parce qu'il y a un ministère Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale. C'est-à-dire, Moni, par exemple, d'ailleurs, tout ministère, il y a des ministères, mots d'urgence. C'est-à-dire, quand il y a des catastrophes, quand il y a des déplacés massifs, quand il y a des nécessités. Mais surtout, côté dans le cadre à viol, ou côté dans le cadre à violation des droits de l'homme. Voilà, le ministre, je crois que c'est une femme, hein, qui doit s'en occuper. Mais n'empêche, dans le cadre social, que madame aussi puisse jeter son regard dans ce qui se passe là-bas dans le cadre humanitaire, c'est-à-dire comment ces femmes-là peuvent être prises en charge et soutenues dans cette période difficile, là où elles peuvent intervenir. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a certaines difficultés structurelles par rapport à gestion, il y a ministère, est-ce que tout ce qu'elles demandent en monde d'urgence pour intervenir, bah, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'elle a le moyen? Il y a un autre dans le budget 2025, bah, c'est la quantité importante le ministère des Affaires sociales. Parce que, ce côté là, il y a des aveugles, il y a des problèmes sérieux structurels. Alors, quand il y a assez de moyens dans ces ministères, je crois qu'avec son expérience de 36 ans dans le domaine humanitaire et social, elle pourra y faire face. Et puis, ce qui est bien avec elle, elle n'est pas seulement à Kinshasa. Elle se déploie dans l'ensemble du pays et il y a des fouilles qui se voient aujourd'hui que c'est une dame, si on lui donne le moyen, je crois que les gens ne se plaindront pas, ni dans le détournement, il y a bien nécessité. Donc, il faut vérifier si réellement elle a eu le moyen pour intervenir. Elle a la réputation, madame. Déjà, Bilembwe Bandaki, déjà, quand vous la voyez, quand elle s'est déployée dans les clans des déplacés, en tout cas, c'est une femme, mais elle brave l'insécurité, elle brave toutes les intempéries pour y aller, pour voir ses compatriotes dans de telles conditions, et elle en a apporté des centaines de milliers de tonnes de vivres aussi, des milliers de tonnes de vivres en termes de matelas, de vivres en nature et en espèces. Donc, bravo à elle. Nous demandons seulement à madame la première ministre de l'accompagner dans ce sens-là. Très bien. Maton Domingue Malamboka, Tozanandeko, Christian Mayassi, Mokoya Bayi Lisanga, ensemble pour la République, ça fait tellement longtemps que toujours. Mbote, maman Naomi, na pesi mbote na ba ndeko etoko kabula na bango makanisi lelo. Na pesi pe mbote na ba téléspectateurs, nyonso bazali kolanda biso, bisika nyonso bazwami. C'est vrai, et Oumeli, na le kaki ya wate. Malheureusement, pour nos téléspectateurs, mais aujourd'hui je suis de retour. On a que parti ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, tous allés toujours présents. Pour la Kubunde la école, on est tombé sans négocier. Nous sommes opposition et ça la carte de l'institution. Oui, nous sommes une opposition républicaine. Apparemment, vous avez quand même exacté dans le dossier à dialogue, on est comme Martin Fayola Sengaki. Non, pour le dialogue, on peut dire que nous sommes ensemble pour la République. Et si les Congolais sont bien, pour nous vendre, pour nous sur l'école, on est comme ceux qui m'ont quitté. Mais là, nous avons d'accord, nous avons un format. Il y a dialogue où Ndeko Fayulu azali ko proposer. Parce que Ndeko Fayulu a lobby que ceux qui makambo azali ko tambola na mboka te, ceux qui insécurité ezali na est, ceux qui mauvaise gouvernance, ba détournement ezali parce que tozangi cohésion nationale. Biso to lobby que ezali bo solote. Ceux qui makambo azali ko tambola te na mboka, ezali te pour ba congolais ba zangi cohésion nationale, mais c'est plutôt parce que nous avons un régime incompétent où azali ko kamambo kande makambo azali ko tambola malamute. Et tout ce que je veux dire, Martin Fayulu a été en train de se faire. Martin Fayulu a été en dialogue. Est-ce qu'il est en cohésion avec ses frères de l'opposition? Non. Donc, il est en train de se faire dans la cohésion. Tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire, il y a dialogue. Tout le monde dit que c'est une manière pour nous de se faire. Quand on a une opinion, tout ce que je veux dire, c'est que le mandat a 5 ans. Tous à la qui n'a vérité des urnes. Ti les lots et commis sous ce dialogue. Donc ils vont réclamer ce dialogue pendant 5 ans. Tout le monde qui basali est soufflé. Donc, ils allaient pour Nabango une manière, Yagoluka, pour rejoindre la majorité à Union Sacrée, à Ontolobi. Est-ce que l'opposition est divisée? Non, l'opposition est divisée sur ce point ici.
Parce que si il y a des partis politiques, ou à Monique Sengeli a des dialogues, ils sont ensemble, tout Monique Sengeli Sengeli a des dialogues, et Sengeli est dans un format OET. Parce que, tout le monde peut vendre dans la main, ça tout solo la tête, tant que Mike Moukeba est dans un boloko. Tant que to yebina noté makambo ya chéribin okende liwana en lolenge ni nezali parce que oyo ba yebisa ki biso na ba konti ki ami bomaki to ndima yango soki mokete pe to ndima yango te mais biso famille politique na ye to lobby que pour na biso to ki ko ndima yango te yango to kendaki pe na sitting parmi ba éléments auto soulevé ki to lobaki que justice ya solo et sala manangambo wana avec les prisonniers politiques. To moni ningeli to koya ko fana na mesa na ndeko tshiseke dite pona ko sola likambo ya dialogue to ko senga na Martin Fayulu suka dali na makanisi pona bomoko ya ba congolais ake ndeko mona ndeko tshiseke dina parler de la nation ça sera plus rapide ole ya koti sabiso na makambo oyo kaka ye moko ayebi les tenants et les aboutissants. Très bien Mato Domingue wana mboka tuzana ndeko mutombo ngoi mwana mboka za avocat de profession tozali analyste politique indépendant. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame Naomi. Na sepela kamingi nazala présenté na yaka na qualité avocat na yaka na qualité analyste politique indépendant ko solo makambo ya mboka na ngai. Tana ngana ko yakozwa ngona inmi de silence pona mwana mboka wa tikibiso. Mutombo dikembe. Ouais, mon frère ça. Ça c'est que tu porter même non. Mais Azali, les gens de Ambo Kanabiso, Azali Moutouassala na politique, a exercé fonction moko politique, mais a tiki ba infrastructure moderne et belle, à Katia Mboka, où ils ont servi ba na Mboka Naye. Contrairement à ba politicien Nabiso, place politique Nabiso, à cause à la présidente de la République, à cause à la ministre, premier ministre, à Nam. Pendant qu'on a exercé fonction à Saliba Fondation, à Tongi, au lieu de bongi sa infrastructure, il y a l'État, il y a Saliba Kamunaye Moko, il y a Yemoko. Pendant le coup, il y a Yemoko. Pendant qu'on a la fonction. Donc, mon lit, 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 Bisonyoso, exacte que au Tiki Université de Kinshasa na est dans un état de délabrement. Au Sali a yomo kosoki wapi. Au Tiki Hôpital Général dans un état de délabrement. Au Sali a yomo kosoki wapi. Pour côté la gamba mon ayo. Jardin zoologique, on a la qui place, on a la qui tous à bal bilingue. Au Yoki na nina mon ayo on a eu hôtel là-wana. Les gens avaient les soutiens. Au Sali a yomo kosoki. État du Congo, les mon côté, zo côté mon côté na Congo, mais ça a yomo kosoki. Donc pour la molimo ya naza ko senga kimia na molimo ya mwana ndeko ya mwana mboka wa yuti kotika biso moto molikembe. Très bien matondo mingi to kota na mozinga masona biso ya mokona lelo révision ou changement de la constitution to ebike ndeko mwana mboka o destin kabuya bimaki na silence na ye pe boti mwa mbutu mbutu ndeko ayi de pesa za la biso sur ce plateau ndeko Joseph Mbeza. En quoi est-ce que la Constitution bloque les actions du chef de l'État, concrètement? Question, madame. Et je me rends compte que dans beaucoup, on a des acteurs politiques majeurs. Quand ils parlent, ça fait l'objet des actualités. Donc, je dis bravo au secrétaire général Augustin Kabuya. Ça, c'est la voix de l'IDPS qui a parlé. Alors, il a réfléchi comme tout Congolais. La même constitution est pessie n'ingisa ya ko réfléchir ya koloba. Ce que yonani ou empêcher à loba. Parce que dans un monde batu balobi kaka constitution ko ye bougeté mais kaka même constitution est pessie n'ingisa pe ya ko pe sa makanisi na ye. Ce que li sou mezal. C'est là où les gens sont perdus. Et puis na moni batu mususu na kati ya mayele na bango ndenge o bazaleli. Dans le but que nos constitutions et qu'on ne bouge jamais tel parti Lombo. Donc, vous enlevez à ces mêmes Tchilombo que vous évoquez le droit, comme tout Congolais, surtout que la même constitution est PCP l'initiative, il y a révision des modifications à la constitution. Dans un tchab à préalable. Nous avons besoin de tout le monde. Sur le plan, il y a constitution
a contredit ma kami balouan a évoqué. Yo nani, oloba que constitution et quoi que ça n'a jamais touché pendant Tshilo Mbaza à pouvoir. Tu l'as pas dit pendant Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que lui, il en a touché. Est-ce que au pipe qui est à mort, oloba yito kosolaï? Les gens se sont arrangés là-bas au palais du peuple. Ils ont modifié la constitution en 2010, 2011, 2010, toujours qu'une élection. Tu m'as chama quel est l'état? Et les gars, dans mon pays, n'est-ce pas, tu vas la peine à Bandao. Mais pourquoi, tant qu'il y a Félix, si on veut modifier la constitution, yo, au lobby, il y était. Vous voulez modifier ou vous voulez changer la constitution? T'es naturel préalable, hein? Naturel. Donc, et que ce soit Kabuya, le secrétaire général, il y a une dépêche au constitution, le biais libre, il y a qu'on raisonner, il y a qu'on penser. En tant qu'acteur politique, nous avons la latitude pour initier modification des révisions en constitution. Ceux qui battent dans le plateau, ils ont rencontré Barkiman dans l'Aïe, dans Zouzé Labarou. Maintenant, réfléchissons dans le fond du dossier. Qu'est-ce qui c'est qu'il a évoqué les affaires au fond? C'est vrai. C'est vrai. Au Sénégal, aussitôt que le président prête serment, il nomme un premier ministre. Mais chez nous ici, il faut aller dans la consultation, c'est la même constitution qui confère ça. Parce que, la loi organique qu'on appelle la loi électorale, il n'y a aucun parti qui peut avoir la majorité. Il faut qu'il y ait une mosaïque, et puis après vous constituez la majorité. Quand vous constituez la majorité, il faut nommer un informateur. 3 mois. Le premier ministre entre en fonction. Nommé, ce n'est pas encore fini. Il faut encore conscient la première ministre et puis vous allez encore à l'Assemblée nationale pour la persécutus. Mais si les Congolais nous réfléchissons à haute intelligible pour dire que non, tout est courté procédure Rwanda. Que aussitôt le président prêtait serment, il peut nommer. Dans le pays, quand le président prête serment, le même jour, il nomme le premier ministre. 4 jours après, vous avez le gouvernement, les gens commencent à travailler. Mais quand on évoque ça, les gens s'en émeut. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, 2024, dans 2028, c'est des années de tractation. 2025, 2026, 2027, c'est l'année de travail. Mais c'est ce que Kabuya a expliqué aux Congolais. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir pour que les choses soient plus souples que ça? Deuxième des choses. Mais madame, la même constitution, et le dit que non, l'article 43, il faut qu'on tient gratuité de l'enseignement en braille. Mais nous avons respecté la même constitution, il y a la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer la couverture santé universelle. C'est la même constitution qui oblige l'État, le gouvernement. Nous sommes en train de nous démener pour amener l'eau et l'électricité qui sont des droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 mètres cubes. Il y a construction. Mais ici, ils ont produit plus de 200 000 mètres cubes. Kinshasa Mobimba, le besoin c'est 500 000 mètres cubes. Nous avançons. J'ai même été informé de côté Totali que Régie des Eaux, sur Totali, il y a un grand projet. D'un côté, il y a Ouest et Kotoyo. Romo Nabazotcha déjà battu en Abanzela parce qu'il faut changer ma canalisation Nyosoka depuis l'époque coloniale. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de travailler avec la même constitution. Et l'État fonctionne avec la même constitution. Même les routes sont construites aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 200 km de rocade qui sont en train d'être construites. Aujourd'hui, Kechi, Kapakamusha, Kenena Kassa, il y a des routes qui sont construites. Kolezi, sur aucun niveau, Kamanio, la Bukavu. Les routes sont en train d'être construites. Sur aucun port en eau profonde, la phase qui incombe à la RDC, Ezouz a déjà achevé. Mais cela ne nous empêche pas. Aujourd'hui, les fonctionnaires, bien que bon, ils sont payés à date échue. Ndeko Joseph Mbenza. Oui, madame. N'a relancé. Relancé, madame. Constitution, il y a un bon bolobike eza na ba kokoswe bele, ils ont bloqué. Il faut qu'on pense à changer, tout qu'on révise.
motuna ezali réalité otobete la biso boyebaki yango te abokota na pouvoir to na mandat liboso boyebaki yango te pourquoi kozwa likanisi wana sikoyo alors que mandat la bino constitutionnellement mandat ya Félix Tshisekedi ezo kenya na suka ya 2028 donc motuna ya mibale article nini ya constitution est bloqué Félix Tshisekedi apesa bidoko na congolais article nini ya constitution est pekisie tolona article nini ya constitution est pekisie assise tumba na est article nini ya constitution est pekisi ba action na sur terrain na niveau que to kata nyoso na lango siko to kanisa ko changer donc madame ce qui n'a comprendre la question se pose comme si il n'a jamais rien fait dans ce pays. Mais puisque vous, non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis puisque vous dites que la Constitution vous bloque. Non, est-ce que l'article n'y a Constitution, ils ont bloqué. Est-ce que noir sur blanc. Bah, Congolais, oh, bah, est-ce que la lobby Constitution est bloquée? J'ai dit des articles que nous, nous avons mis en branle. Nous avons mis en branle la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas le fruit de Félix Moutazo à disposition article 43. Aujourd'hui, c'est effectif. Effectif la gratuité de l'enseignement. Mais toi, qu'est-ce qu'on a question, Nayo? Madame, je le répète, il y a des dispositions très dangereuses. Ici, je vois que le professeur Denise Kassessé. Madame, je ne vais pas ici évoquer votre tribu. Mais avec la constitution Oyo, tu ne seras jamais gouverneur dans ma province du Congo central. Vous le savez? Ben, en gros, la résurgence des forces centrifuges. Tant que tu es dans la santé, les Congolais sont bien. Et puis ici, j'évoque le professeur Jean-Louis Essambo. Parmi les grands constitutionnistes reconnus, il n'y en a que 6 qui sont grands reconnus. Il a dit que cette constitution a été l'œuvre de 21 personnes, 18 étrangers et 3 Congolais. Quand nous sommes allés à Santé, mais nous étions là avec des belligérants, il fallait satisfaire tout le monde. Vous le savez depuis quand? Puisque tu parles toujours, tu es maman. De deux tours à un tour, où ils accoutent que non. Vous savez la gravité de ce qui a posé comme acte ces messieurs. Ok, madame, vous avez dit que l'article, ça y est, l'article 7 de la Constitution, il fallait qu'il n'y ait pas de problème pour que Roubé ou la compte RCD a signé accord et à sanctité. Parce que pour la Rwandais, il fallait qu'on déverrouille, il fallait qu'on longe la disposition, là où il obéit que non, pour être président de Zaïre, il faut être de père et de mère. Oui, parce que dans Santé, il y a une décision pour faire plaisir à ces gens-là. Vous dites que pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être Congolais de père et de mère. Mais pourquoi, pour être président de la République, on a une telle légèreté de dire que tout le monde peut être candidat président de la République? Par exemple, vous dites que l'article 10, il y a Constitution, l'exclusivité de la nationalité. Mais aujourd'hui, dans le contexte, il y a mondialisation aujourd'hui, cette disposition ne tient plus parce que nous avons 15 millions de Congolais qui ont changé de nationalité, qui sont là-bas. Il faut leur donner la possibilité de rentrer chez eux, pas recouvrir nationalité dès qu'ils sont sur le sol congolais, comme ça se passe partout. Il y a des choses qu'on peut reviser, mais ce qu'on va tout dans tout le monde, comme la numérature, le mot, c'est mon article 220 de la Constitution. Est-ce que nous, on a évoqué ça? Kaboui a dit que mandat et chef de l'État, ils ont manqué. Ils ont qu'il y a est-ce qu'à l'Oba qui dit non, il faut qu'on change le mandat chef de l'État, il a dit ça. Il faut rester de ce qu'il a dit. Madame, révision constitutionnelle peut être l'initiative du chef de l'État, du gouvernement, d'une chambre du Parlement, non? Et puis pétition, il y a 100 000 Congolais à saisir le Parlement. Ma bézac. Est-ce qu'ils ont des sous qu'on modifie la constitution, qu'on change, qu'on révise? Est-ce opportun, est-ce priorité en ces moments? Mais il a réfléchi comme tout Congolais. Pourquoi vous lui empêchez ça? Moi je dis, il a réfléchi. Ce qui va nous soumettre à lobby, bah, oui, c'est leur droit. Il y a lobby, oui, c'est son droit. Allons-y comme ça et puis on verra. Très bien. Merci beaucoup, moi, Ambo Kandeko. Joseph Nguyen. Ok, j'ai un ami. Bien sûr, oui. L'acte constitutionnel de la transition est le meilleur, mais pas éternel. Le débat sur la constitution ne peut pas être un débat sur Facebook ou TikTok. Prof Mbata, l'un des meilleurs constitutionnalistes de notre pays. Deko Christian Mayas, votre réaction.
Oui, maman Naomi Nayoki Ndeko Mbenza, avec beaucoup de difficultés, a luki à défendre mon continent Kabuya. Mais, biso, tous allés sur bas principe, tous revendent sur bas principe. Déjà, deuxième mandat de Ndeko Félix Tshisekedi est banda na violation de la Constitution. Les premiers jours de son deuxième mandat est banda na violation de la Constitution. Comment ça? Il a écourté son mandat de 4 jours. Ndeko Félix Tshisekedi a joué le 24 janvier 2019. Ce qui est compté 5 ans, et ça, le 24 janvier 2020. 24. Bon, ça, il y a 5 ans. Pour nous, il a le 24 jours avant. C'est une violation de la Constitution. Autre chose, Ndeko Mbenza, Outiko Loba, ou Aligambouya, il y a Constitution. Il faut qu'on reconnaisse que l'UDPS n'a jamais voulu de cette Constitution. Na 2005, tant que il y a un référendum. Parce que aujourd'hui, on commence à nous faire croire que la Constitution est imposée à Gibisson à Makassi. Non! Le peuple est allé aux urnes pour dire oui ou non à cette Constitution. Et à 85%, le peuple a lobby de Nimi Yango. Il a promulgué Yango, il a une Constitution au Dosanango Lelo. À deux reprises, Félix Tshisekedi a prêté serment le Boko Likolo à la Constitution Oyo. Voté par qui? Puisque le Parlement à l'époque, Ezaki Parlement, Ezaki. Non, mais ça a été voté par le peuple. Le peuple, oui, mais ensuite, Parlement et Dima qui a Ezaki. Oui, mais le Parlement ne peut qu'accepter parce que le référendum, Ezali, que toute la population, ce qui est l'indi, a oui ou non. À 85% de la population, à l'obaki, oui. Pendant ce temps-là, l'UDPS a demandé à ces gens de ne même pas aller voter oui ou non. Balobagi n'a pas dit que Zali acte de vente Yamboka. Cette constitution. L'UDPS n'a jamais voulu de cette constitution. Donc, et là, la population a choisi à 85% Boboï. Pour moi, mais le coup, Zali n'a pas été alimenté comme constitution. Wana et Golekaso qui m'ont Yami Moussous et Lobin de Kokabou a évoqué le Kamouya retard. A Lobi. Ma présidence a 3 ans parce que Kopona, Kambia, institution, tout ça, ça peut nous prendre 2 ans. Maman Naomi, n'a l'ingito réfléchir. Ndeko Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier. Azalagi déjà dans la majorité, l'Assemblée nationale. Donc, Azalagi peut na coalition, Azalagi na FCC cash. Donc, il avait sa majorité. A outi na premier mandat, à côté na deuxième mandat. Pourquoi il n'y a informateur? Ça nous a pris du temps. Ça, c'est un problème constitutionnel. Informateur a Salim Moussala, a appelé ses rapports. Pour nommer Premier ministre, ça a pris du temps. Maman Judith a eu 6 mois, s'il vous plaît. 6 mois pour créer un gouvernement. 6 mois. Et pire encore, gouvernement Bimi avec les anciennes personnes de Bazoumina Bangoukaka. Ça, ce n'est pas un problème de la Constitution. Élection et Assemblée nationale, ils ont été reportés 3 fois. Parce que l'Union sacrée va venir qu'on a été sur ticket dans Bango. Ça, c'est un problème constitutionnel. Élection à Sénat, reportée 4 fois. Parce que ça, Maloukonde, Papa Moumou, Kamba, tous, la discussion, non, Sowana. Ça, ce n'est pas un problème constitutionnel. C'est un problème interne au sein de l'Union sacrée. Mais il y a des retard. Il y a un peu de lobby que ceux qui ont été faits, qui ont été faits, qui ont été faits, qui ont été faits, qui ont à recouter un abisso ensemble pour la République Nanzela Naye. Parce que, tout le monde dit, qui m'ont quitté, va toucher la Constitution à un moment où. Pourquoi? Mon béco est lobby dans l'article 219. Aucune révision constitutionnelle n'est que ça, à un moment où tu es en état de siège, état d'urgence et tout ça. Bah, Pessi, tu es en état de siège. État de siège, tu es en état de siège, tu es en état de siège, tu es. Mais au moment où tu es en révision constitutionnelle, ils vont être en état de siège. Le, article 220, l'article les a déjà déverrouillé parce que Ndeko Kabou a évoqué le Kamouya Bamboula, Pambate. Ce qu'a dit que le président Zakaka a 3 ans, c'est-à-dire pour Naye, il y a 5 ans, ils allaient moquer. Maman Naomi, ce qui m'a béculé, Kondi, le bac et Moto Sengeli a ça, mandat mon corps renouvelable parce que, Bamounaki, que en 10 ans, Moto Koyoko si ça m'a Kamounion sauté, ma Koyoko tcha quand même un beau Kananzela, pour te Ndeko Moussous, dans Wakoya, a continué dans le même élan. Attends, ton père, Ndeko Félix Tshisekedi, 100 ans, le Congo aura toujours des problèmes. Donc, tout comme on a que, ils allaient
une tentative yako luka ko pesa ndeko Félix Tshisekedi bambula ebele à tête de l'État. Yango biso to ko benga ba parti politique ya Union Sacrée ba se désolidariser na UDPS. Bati ka bango ba memo kumba na bango ya révision au bango moko balati sango Union Sacrée. Parce que justement objectif a wezali yako se maintenir na pouvoir ebiso to ko ndima yango soki mokete. Ndeko pesa ndakisa ya Sénégal. Très bien. Lobby n'a pas bimi si après mais loi mon côté lobby dans Sénégal que ceux qui va voter président de la République lobby n'a pas Sénégal a nommé Mbalamo premier ministre et puis si délété mais ils ont fait rapidement par conscience biso pas na biso awa pour avoir un gouvernement il nous faut 6 mois madame avec une majorité déjà déjà bien définie il y a Union Sacrée on est dans la constitution t'es biso te lobby que constitution oyo Eko simba mate. Eko simba mate. Ndeko kabuya. Eko simba mate parce que le chef de l'État Félix Tshisekedi a zanabo konditu eko simba mate po bozomo na keza parfaite. Constitution parfaite e zalakate madame. Atana mikili ya poto e zanabo constitution moussou e sali ba siècle. Bandeko ba pesa ka toujours makanisi. Ato eko bongisa. Ato eko salaboy. Ato eko salaboy. Men pona biso to lobi nenge to lobagi na 2015 nan Ndeko Kabila. Il n'y aura pas de troisième faux penalty. Surtout que Tshisekedi a une malchance, tout va résaler. Donc, tu peux checker l'action bien pour que tu empêches révision constitutionnelle Oyo et aller dans le but de maintenir le pouvoir le plus longtemps possible. Bandeko va réaliser qu'ils n'ont rien fait au sommet de l'État. Bassali est l'autre mon côté au sommet de l'État et il va se rattraper en, faire, en voulant faire croire à l'opinion que ce qui te roumeli n'a pas dit ne va résulter qu'il y a. Mais non, l'échec est là. Le régime Union Sacrée a échoué et pour Nabisso, ils ont une manière pour Nabango Yako se maintenir Nabokondi. Et puis Bisso, ensemble pour la République, donc on dit Mayango soki mokete. Très bien. Maintenant, Domingue, mon ambokandeko Mutombo, vous êtes analyste indépendant, la constitution de la RDC, le professeur Mbaka Nautukotanga est récemment à l'Obi, Eza Malamo, Asieza éternalité, dans quatre constitution. Pas toucher à cette constitution quand il y a des articles qui fâchent et comme même on a le contexte na biso quoi moto même bien que c'est non yo article ni les autres compliqués biso et c'est nécessairement que simba yango et opportunité à cosa lango lelo et ça ligne mal bon carré. Merci maman. Na lo bagango tango nyonso mboka na biso eza na un problème d'homme. C'est pas un problème ya constitution. Mokanabiso, État où ils ont la responsabilité, ils ont la classe politique, toutes tendances confondues. Maman, avant de répondre à la question, je vais vous parler de la IDPS. A l'objet de Kabuya, il y a la liberté d'expression, il y a exercé la liberté d'expression. Pour tout le monde, voilà pourquoi il en a fait usage. Il y a un peu à réfléchir. Mais awa nazo rappeler ndeko ezali kamuté kaka ya réflexion parce que il y a une démarche qui est déjà mise en place. Il y a une correspondance qui a fuité. Ça a été déposé au ministère de l'Intérieur. Il y a une correspondance qui a fuité avant l'intervention ya Kabuya, le secrétaire général Kabuya. Mais le président de la République, il en a parlé. Il a dit qu'il mettra une commission. Donc, awa, toza li sous na moutou, chaque personne azo ko exercer ba ma kokio moube ko pesiete. Ici, c'est déjà procédure, toza la déjà mise à mouvement. Na zungil nanin. A pesi exemple ya Sénégal. Tant ou nde kwa zo pesa histoire, exemple ya Sénégal, azo ye ba histoire ya mbo kanabisote. Nous ne partageons pas la même histoire dans le Sénégal. Nous avons rappelé de Konangaï. Pour la Nini, Baboya qui est à la locale au Sénégal, c'est conformément à notre histoire. Nous avons encore le président de la République à la renommé Premier ministre sans consulter le Parlement. Vous avez vu bien que Tshisekedi avait été nommé plusieurs reprises par Mobutu. Aza nommé le lobby à l'Ongolier à consulter le Parlement. Est-ce qu'à consulter le Parlement, maman? Maman Naomi. Plusieurs fois, Tshisekedi a été nommé.
Abini a sali déclaration. Lobby Mobutu a eu ordonnance. Il y a qu'on nomme Moussouf. En remplacement, là, le Parlement n'a jamais été consulté. Il faut qu'on t'aille à l'histoire en Mboka. Donc, par argument Owana, bien que la constitution n'a pas eu lieu, ils ont humaine. Mais, et qu'on qui vous a touché, mais par argument Owana, il n'y a pas eu lieu à évoquer. Et Zali, ce sont des arguments de tenir. Dans un pays sérieux, bien que la constitution est une œuvre humaine, la constitution n'a mboka, c'est pour la Bible pour les chrétiens. La constitution n'a mboka dans un pays sérieux. Et là, on a zo lobawa, mbata mutata nzinga. Ce que je dis ici, dans cette discussion, on a dit des choses. Dans un pays sérieux, la constitution est la Bible pour les chrétiens. Elle est la Coran pour les musulmans. On n'en touche pas parce que la moune qui n'a tombé dans le lobby. N'a pas eu le bango à maman. Tozali n'a expérience ma paix à ma révision constitutionnelle. N'a pas eu le bango. Quand j'ai fait cette déclaration, et ça là qui avant intervention du secrétaire général Kabuya. N'a pas dit que la constitution de Mboka Nabiso est plusieurs fois touchée, revisée, pour satisfaire le prince. C'est la phrase que j'ai utilisée. Tant que le secrétaire général Kabuya, au yoki directement le Walobi. Au yoki directement le Walobi. Or, la révision constitutionnelle, parce que la révision est partielle ou totale, tant que ça la révision totale des changements à la constitution, tu sais que l'IDPS est mal placé pour la consolidation de la révision constitutionnelle. Pourquoi pas? Tant que la 2011, tant que la révision à 2011 est salée, parti ni ne télémé la ka, il n'a ni le pouvoir en place. Opposition Nyonso avait comme tête de file IDPS. Donc, comme il y a 2014-2016, le pouvoir en place a décidé que, basta le recensement, il dépend sa monique, ce qui, basta le recensement, élection vous allez conditionner, que recensement ici, là, tout ce qui basta le recensement et comme ma modification, c'est un débat sur ça. L'IDPS était dans les rues de Kinshasa ici. Pour empêcher changement ou révision à la constitution. Ne touche pas ma Maman, constitution. On s'en souvient. Na yobi boui. Donc, tu as le régime en place, Mingi. Tu as la salle de l'Inango. Dans le Congolais, nous sommes là. Le régime en place est toujours présent là où le Congolais l'attend le moins. Le régime en place, na bandeli yango. Est toujours présent là où le peuple congolais l'attend le moins. Je vais prendre cet exemple. L'actuel président du Sénat, il venait d'être premier ministre. Ayebiba, priorité à Congolais. Mais tant que je suis en siège à Sika Parlement. Le régime en place est toujours absent, là où est toujours présent là où le peuple l'attend le moins. Est-ce que ça a priorité pour aller là? Tout le monde qui m'a conduit à Mboka a dit dans l'Assemblée générale. Après, c'est une assemblée générale à Kenya en Hongrie. Il y a un autre là. Ma priorité à Mboka est Zali. Mais pour le président comme il a en Hongrie. A que ça a dit diplomatie? Maman. Ma coopération, conseil de Mikanda. Il y a un autre là. Le régime, le changement de la constitution, la constitution à Mboka a mis sur l'île. Et si quand il y a beaucoup de gens qui ont réuni les Congolais, il y a beaucoup de Kabouani. Le seul qui a réuni tous les Congolais, il y a beaucoup de Kabouani, c'est l'actuelle constitution. Ce qui va réviser la constitution, va changer la constitution, les lots. Il est passé bien. Le régime actuel, je parle du régime actuel, il y a une partie, il y a beaucoup, pas de gérer à côté. Baza qu'on se soucie même dans la situation à ma Congolais, qu'on a été. Baza géré par des rebelles, gouverné par des rebelles. Bisson nous a dit comment les rebelles se comportent. Où les années préoccupations n'ont pas en route.
Ce qui va réviser la constitution, les lots, cette partie du pays va voter. Va retirer la constitution. Il y a un calat. Balkanisation, puisque nous sommes tous au bout, il y a un. Parce qu'aujourd'hui, Baza déjà n'a pas autorité, Moussoussou. Aujourd'hui, Baza déjà n'a pas autorité, Moussoussou. Va voter, tata, mon compte, j'en ai va participer à l'installation de l'institution à Sikate. Baza gouverner n'a pas autorité, Moussoussou. Les longtemps, nous avons un lobby pour changer la constitution. En évoquant, nous avons besoin d'évoquer, alors que ça ne vous bloque pas. En évoquant toutes les raisons, et qui ne tiennent pas debout. Bango m'a dit qu'elle avait quelle constitution. Très bien. Voilà pourquoi, pour conclure, ce n'est pas une priorité des priorités actuellement. Ce qui est fait, et ils ont avancé, c'est pour satisfaire le prince. Et ça, ça fait partie de l'histoire malheureuse de notre pays. C'est ce que l'IDPS, entre guillemets, a prétendu combattre pendant ces 37 ans de lutte. A Bounissi Mobutu Pona, Koluka Mobutu, Koluka Mobutu, ça n'a pas pouvoir au Léka. A Bounissi Kabila, parce que chaque fois qu'il voulait changer la constitution, il a dit pour le repère ça, autre pouvoir à Kabila. Tu sais que tu as combattu le père. Mais malheureusement, très bien. J'ai dit. Merci beaucoup. Bah, je suis sûr. Matondo Mingi, tous aussi j'ai à mes balais pour ne pas me demander de faire une solution là, mon salaire, mon salaire. Mais quand même, ces phrases, mon gouvernement congolais, ça l'a car ici, qu'a basé la fête. Donc, ici, qu'a peuple, la zone, là-bas, paix, ça lit pas, il y a que oui, mais sa constitution. Ici, qu'a peuple, là, Luka Kimia, il y a que Néma, mon souci à voyager. Ici, qu'a bon, Luka, apparemment, vous n'êtes pas concentré dans ce que vous devez faire. Je ne sais pas si le mot est un mot, mais action au gouvernement souverain. Beaucoup de gens ont été en école pour la deuxième fois, deuxième mandat. Ce qu'il faut toujours, il y a six engagements au niveau de PESA qui peuple. Vous savez déjà, il y a des gens qui sont en train de se faire. Vous avez dit, vous avez déjà eu six engagements, Yangoyo, Ezaki emploi, Ezaki sécurité pour tous, Ezaki maïdo tiliki, beaucoup mi wapi na dossier à six engagements pour tout le monde sauter pour beaucoup na constitution. Mais le bon bokaw yon deko Joseph Mbete. Normalement, je suis devant des opposants, je voulais vraiment babima. Je n'ai pas été devant un praticien de droit, mais j'étais devant quelqu'un qui était dans les émotions, dans les états d'âme. Je suis le seul où on a évoqué ma disposition en constitution où ils ont posé problème. Mais boutique à l'occasion, on a raté dans l'obélie article sur le mandat. Mais Bango mi balé. Ils sont allés dans des considérations politiques. Il y a un sentiment à Bango. Mon frère Katombiste nous menace. Si on a tout naïo, non, tu ne vas congolais, surtout tu révises en Bosagne. Oh, et comment vous faites? Parce qu'il y a menacé, ouais. Bon, c'est ma femme à l'obise. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est madame, bon, c'est bon. Loi Tchanié, qui est là, ouais. Tu sais que c'est un civil. Calme. Ma congolais, vous voyez le lobby. Kabila était maïs. Moi, il tombe au sol, ma maman. Moi, il tombe au sol, ma maman. Tu sais que c'est un civil. C'est là, messieurs, messieurs. Mais est-ce que tu le bien, ma camion, disait là? Je parle au Katumbiste. Opposant. Donc, dans votre émission, malin, monsieur, soyez sérieux. Moi, je suis là. Je suis là. C'est ce qui est difficile dans les débats. Quand tu n'es pas d'accord dans la manière de faire des autres, tu es un opposant. Tu n'as pas été équilibriste. Je suis monsieur de l'opposition. S'il vous plaît. Sois calme. Non, il n'y a pas de libre penseur. Ouais. Ça n'existe pas. Va le faire dans ton livre. Pas ici. Monsieur, attendez. Je suis seul de le pouvoir, deux de l'opposition. Il s'agit. S'il vous plaît. Rencontrez-moi par des arguments. Vous comprenez? Je dis ceci. Normalement, vous aurez été. Fallait vous aller équilibriste. C'est-à-dire, aucun. Vous êtes unidirectionnel.
C'est ça le péché. Tu n'es pas analyste indépendant. Tu es de l'opposition, mais tu l'ignores seulement. Tokéi. Messieurs, il y a la notion de l'État et du régime. Vous avez évoqué régime, vous avez évoqué Makambozo le Sénégal. Quel est le régime que le Sénégal a adopté comme constitué, comme la constitution là-bas? Messieurs, messieurs, ne t'agite pas. N'importe quelle mine au calme, mais beaucoup longtemps la mine. Monsieur, vous évoquez des choses que peut-être vous ne maîtrisez pas. Tu es un juriste, mais vous dites qu'il y a la constitution. Et ça, la notion, il y a opportunité, l'initiative. Où ça dit droit? Tu as évoqué Mata, qui est constitué. Il ne vous a pas appris ça? Quelle est l'opportunité d'une modification, d'une révision en constitution? Est-ce que tu peux les étaler ici? Et qui en a l'initiative? Est-ce que tu en as dit ici? Comment vous pouvez interdire aux gens, mais vous soutenez la même constitution? Mais vous êtes à côté, messieurs. Moi, j'évoquais des dispositions qui n'ont rien à voir avec le mandat. Je vous évoquais ici que non, l'article 43, par exemple. L'article 10, c'est la Constitution. Je vous évoquais sur les démembrements, les ETD, qui posent problème aujourd'hui de la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous avez évoqué, vous? C'est mal des sentiments. Ceux qui tuent le Mamedi, bah menace. Et bon, menacer. Nous sommes dans l'analyse. Ce sont des faibles qui menacent. Rencontrez-moi. Est-ce que Chilombo, que vous évoquez, en tant que président de la République, Deus ex machina, n'a pas le droit d'initier une révision, bien une modification? Rencontrez-moi par la Constitution, le gouvernement, deux chambres à Parlement, une des chambres du Parlement, et 100 000 pétitions. Voilà comment la procédure. Mais maître, il n'a rien dit sur ça. Vous évoquez que Bissot. Mais Bissot, il dépasse, nous sommes respectueux, le peuple s'est décidé, mais en un référendum, on s'est incliné. Les sous vous avez. Si vous bien vous avez Nyonson. Moi, je vous évoquer, il y a eu 2011, il y a eu une modification, ou une révision en constitution par Joseph Kabila. Nous sommes passés de deux tours à un tour. Et pour ça, nous sommes de un tour à deux tours, ma bézale. Donc, vous avez dit, nous sommes là, nous sommes sans même réfléchir. C'est ça votre péché, votre opposition. Vous êtes trop dans les états d'âme, dans les sentiments, sans argument. Est-ce qu'au peuple, la chose est la binouane? Parlons maintenant de Madame Judith. Oui. Les katoumistes, mon frère, que j'aime beaucoup. Christian Maïs. Pour constitution, les autres peuples, ça binou, vous travaillez, mais les autres peuples, ça binou, détourner, t'es, hein. On est au Madame, je vous mets au défi. Partout dans le monde, la corruption est détournée. Mais ce que le problème, c'est dans les sanctions qui doivent être infligées. Ça, c'est la faiblesse. Je suis d'accord. Vous connaissez un certain Madoff aux États-Unis qui a écopé de 120 ans parce qu'il a détourné, parce que c'était un trader, plus de 7 milliards de dollars qui appartiendraient aux particuliers. 7 milliards de dollars. Bernard Cazeneuve en France, pour avoir dissimulé des impôts, du fisc. Partout. Mais la ceinture est des rigueurs là-bas. C'est ça la faiblesse de notre justice, je reconnais. Mais qu'est-ce qu'on a gouvernement? Gouvernement sommet. Ah, maintenant tu as changé le chapitre. Tu changes de thème? Oh, on a changé. Juste au cas où m'est allé. Madame, je suis de ceux-là qui applaudissent l'arrivée des états généraux de la justice. Parce que la justice, elle est transversale pour imposer les normes sociétales et réparer les torts dans la société. C'est ce gouvernement qui a vu juste, par la vision du chef de l'État, sous la coordination de la Première ministre, de donner instruction au ministre d'État, ministre de la Justice, d'appeler tous ceux qui sont dans le domaine du droit tout réfléchi pour faire une refondation de la justice. Voilà les bases. Et la constitution Oyo, il y a un gâteau de ça. Vous comprenez? Quand la constitution Oyo, aujourd'hui, au niveau de la justice, les choses bougent. Dès qu'on en a, Christian Maes est en face d'un ministre d'État de justice, mais il est membre de l'opposition, mais ils étaient 60 le jour de la sitting. C'est bon. Mais il est 60. Mais oui, à côté des lois. Vous réclamez quoi? Monsieur. C'est non. Christian Maes, Dos Ndombassi. C'est à côté de le représentant, mais il y avait quand même un membre. On est venu réclamer quoi? Au Koloba, Ndekolanga. Vous comprenez? Toquer de l'autre côté, madame. Ici, j'ai évoqué la Jeanne d'Arc de ce pays dans ce gouvernement, madame Aziz Mounana. Depuis que le Congo est Congo, nous avons nos militaires qui meurent au front.
leurs dépendants étaient rejetés, abandonnés. Mais aujourd'hui, c'est pris en charge par l'État. On a commencé par le Kivu et nous descendons vers le Katanga déjà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, messieurs, les deux opposants qui me regardent, que j'aime aussi, hein, il ne faut pas oublier, ce sont des compatriotes. Parce que nous, à l'IDPS, nous vous aimons beaucoup. Messieurs, aujourd'hui, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Madame, permettez-moi d'étaler sur de manière linéaire les constructions qui sont faites en ce moment. Vous le permettez? Ok. En une minute. En une minute. Bravo, madame. Et écoute, Moïse, quand tu es là, tu as un tongé l'autre. Faut que tu aies un tongé l'autre. J'ai quand même en 500 morceaux. C'est là qu'il s'est fait beaucoup d'argent. Je salue Moïse Katumbi. Madame, vous avez la ville-province de Kinshasa, une ville enclavée, un gouvernement qui vient, avec la révision sino-congolaise, de construire 200 km de rocade, allez-y voir, des deux bandes de chacun. Moi, j'y étais. C'est extraordinaire. Le même gouvernement vient ici. Il est en train. Aujourd'hui, on a la nuère pour les gens publics de l'État. Aujourd'hui, tu continues à Cypress. Peut-être les opposants ne savent pas. Cypress, c'est quoi? C'est une organisation internationale qui reconnaît les réformes majeures dans le secteur du travail et de la retraite. Aujourd'hui, les retraités congolais sortent avec honneur et sont payés jusqu'à à leur mort. Ça, c'est la touche. Allez voir à la CENSAP. Je ne mens pas. Cypress. Oyebite maître. Oyebite, allez voir. Matata Ampono, quand il a retraité, le dernier agent, c'était 2 000 $. Aujourd'hui, c'est 8 000 $. Le dernier agent retraité à la fonction publique, aujourd'hui, il y en a 20 000 qui ont été, 10 à 20 000 qui ont été retraités. Je ne dis pas des chimères. Je parle ici sous réserve de fonctionnaires de l'État. Et ils sont déversés à la CENSAP. Ça, c'est la touche de Félix Tshisekedi de Tshilombo. Via les deux gouvernements, Sambalukonde, Madame Judith Suminwa Tuluka. Je pars encore très loin. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Félix, il est le seul président quand il est venu au pouvoir. Il réhabite, il construit les universités. La dernière université à être construite au Congo, c'est en 1962. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, les opposants? Que je vous en cite? Aujourd'hui, de Sanda Bounia, dans la ville de Bounia, dans la ville de Kananga, dans la ville de Mbujima, les universités vont bientôt être inaugurées. Et Mbandaka. Je vais encore plus loin. Quel est autant la INBT? Mbandaka. Monsieur l'opposant, contenez-vous, vous êtes à deux. Je vais encore plus loin. Vous êtes au Katanga. Vous connaissez l'hôpital Jason Tswendwe. Vous étiez gouverneur pendant 14 ans. Vous n'avez même pas touché. Cette infrastructure a été construite depuis l'époque coloniale. Qui l'a réhabilité? C'est Félix Tshisekedi. Tu connais bien le loi là-bas. Vous connaissez l'hôpital général de Mwangé, de Mwangézi. C'est Félix Tshisekedi, lui encore. Allez ici, au Kachachi. C'est Félix. Je vais dans les provinces, dans les profondeurs. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, avec le programme de paix de 145 territoires, 700 écoles, allez vérifier au PNUD, allez vérifier au CSF, allez vérifier à la BCECO. Aujourd'hui, il y a 400 infrastructures qui sont construites sous Félix Tshisekedi. Le dernier bâtiment administratif à être construit dans ces pays, c'est en 1935. Vous n'avez aucune donnée. Aujourd'hui, il y a 18 000 km de route construite de dessertes agricoles avec l'OVDA. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, si vous allez voir la voirie à Bounia, dans la ville de Bukavu, allez voir ce qui se passe là-bas. Messieurs, aujourd'hui, nous avons une multinationale implantée ici à Maluku. 5 000 emplois. Première phase, deuxième phase de Lubumbashi. 126 millions de dollars investis ici à Maluku. Tout le monde boit cette boisson ici. Aujourd'hui, il y a une usine de carreaux ici. Ça, c'est de l'emploi. Aujourd'hui, Transco ne commande plus de bus à l'extérieur, produit localement ici. Combien de bus déjà? Aujourd'hui, déjà une centaine de bus livrés. Une centaine 25, de bus. 25 par mois, je vous dis. 25 par mois. Pendant combien de mois? Je ne vous donne. Pendant combien de mois? 25 par mois, pendant combien de mois? Madame, laissez-moi continuer parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Madame, donnez-nous la parole. Madame Judith Suminwa Tuluka. Madame Judith, une femme compétente, une femme de haute facture, est-ce que depuis qu'elle est au pouvoir, vous attendez encore de bévues dans la gestion de la chose publique? Vous aurez voulu continuer à attendre des détournements, mais il n'y en a plus. Parce qu'il y a la rigueur dans la gestion par l'entremise de cette femme. Vous comprenez, monsieur, une les opposants motion à l'Assemblée nationale contre le ministre de Transport. Mais monsieur, attendez, vous allez parler. Là, c'est pour la gestion de Congo Airways.
Une solution a été déjà trouvée. Nous ne sommes déjà plus intelligents. Où sont les avions? Merci beaucoup. Les avions sont où? Merci beaucoup. Madame, je laisse. Je vous de parler. Merci beaucoup, Madame Boka. Ndeko, parce que vous n'avez rien à dire. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, Ndeko, Christian Mayassi, vous avez la parole. Vous êtes opposant. Vous êtes de l'ensemble pour la République. Comment est-ce que vous évaluez quand même action gouvernement soumis nous à 3 mois après beaucoup de temps on a beaucoup dit est-ce que bazo répondre solo n'a pas désiré taille à peuple congolais? Oui, maman de combien à l'objet avec la constitution bango bazo respecté en a évoqué pour la sitine ma boy que le bas point de zari na sitine mobeko li kondi lobby que moto bakangé sengeli ba yebisa e motif d'arrestation na ye a yebisa biso sur base de quoi Daniel Safou totalise aujourd'hui 2 semaines sans pour autant mon amour si naé ni avocat naé ni famille politique naé. Il est où déjà Daniel Safou? Mais il ne croit pas yebisa biso bango ba doit respecter mobeko moto aligné à voyager à commune aéroport bokangié bo mimi na li à détention au libo tanaé yebite ba doit respecter constitution bango yo bango yo c'est que ne combien ça solo ba ne combien ça lobby à wali comme référendum. Mais le référendum ou la révision constitutionnelle, c'est un débat national. Biso to zaba nani poto se décider que to kobongo la mobeko li kondi sa ba ndeko na biso ya bunagana. C'est le dali ko lobage bazasu na kongote. Ça ce sont des distractions. To moni ndeko lo il est allé dans tous les sens pour na bilan na bango. Il est allé dans tous les sens. Ramasser des histoires sur internet, venir nous balancer ici. Dans la réalité madame, notre population souffre. Il y a 27 millions de Congolais qui vivent en insécurité alimentaire. Rapport, Programme alimentaire mondial 2023. 27 millions de nos compatriotes. Qu'est-ce qu'ils font sur le plan agricole? On a produit combien de tonnes de maïs ici en RDC? Il y a Kanyamaka CC avec le général Kabouki. Mais le Kanyamaka CC, comment le maïs, avant Kanyamaka CC, ils allaient en prix assez, avec Kanyamaka CC, là toujours l'icolo. Tolobani, Ndeko Félix Tshisekedi a échoué. Balobani n'a biso que bazana baki a préservé. Les lots nous avons compris que baki est zaté. Yango balingi ba bongo la mobeko li kondi pour s'éterniser au pouvoir et pour na biso tolobi et ko lekaté. Dans ce gouvernement d'incompétents, nous nous sommes une opposition républicaine. Nous saluons quand même le travail qui est en train de se faire au niveau du ministère de la Justice. Moi j'étais en face de Constant Mutamba. Il a quand même et nous saluons cela. Entre autres, le désengorgement y a prison centrale de Makala. Après, si même une interdiction temporaire, il n'a pas prévenu dans Makala, parce que la prison est dans Tondakuna. Ndeko Constant Mutamba, il a redynamisé un fonds qu'on appelle le fonds de réparation et d'indemnisation il y a des victimes au Uganda c'est la gabe sabiso mosolo wana je pense que tozoyé bango il a bancarisé les recettes il y a ministère il y a justice c'est quand même des éléments avec les états généraux de la justice qui viennent c'est quand même des éléments que nous pouvons saluer. Mais en termes de désengorgement il y a quand même de répliques genre bato bazo bima boloko bazo zonga na mosala mabe et bazo tsia bato en essai. Non maman, il faut aussi dire que il y a une campagne de désinformation dans ce sens-là. Quatre catégories de prisonniers bazalaki libérés. Tout d'abord, il faut reconnaître que le ministère de la Justice a créé une commission spéciale qui est composée d'abord, il y a un cabinet, il y a un ministre, il y a un greffier, il y a un responsable, il y a une prison, et puis il y a un magistrat, Moussousou. Quatre catégories, il y a un prisonnier, il y a un libéré. Première catégorie, il y a un prisonnier, il y a un purge déjà la peine, il y a un c'est-à-dire, il y a un purge peine, il y a 2 ans, mais il y a un bimakate, il y a un makala. L'eau, il y a un misagi bango. Deuxième catégorie, il y a un prisonnier, il y a va purger des basiques liberté conditionnelle parce que Badali est éligible. Parce que Badali déjà un quart, il y a peine na bango. Troisième catégorie, ils allaient prisonnier au Badali malade, au état de santé na bango, ils allaient aussi Simbali sous soutien à détention. Et c'est là qui va libérer. Quatrième catégorie, ils allaient bateau Badali condamné pour n'avoir fait mineur. Aïba qui téléphone, Baswana qui n'a moins sinaye, Aïba qui mikate abatu, tout ça, ces gens-là ont été libérés. Batu Bazali, mon akézala qui est un grand nombre, parce que justement, un grand nombre, il y a Batu Bazali dans la prison, Makala Bazali qui a prévenu. 85%.
y a bateau bien bas boulot qu'on a vu sur les prévenir, c'est-à-dire bateau bas ambicité au bas catalé bangoune ne tout mouté la justice. Nous avons quand même salué ça et plutôt lobby que il faut que à continuer dans sens soir. Mais tout le monde dit que bateau bas allez pour récupérer situation là pour la colo bagézali bas et bas outil boulot qu'on est bas allez pour créer insécurité dans la ville de Kinshasa pendant que Kourou les a la cabanda cala. Donc Ndeko Mutamba comme les sous ministre intérieur aya sousou ko tala ma etali kuluna. Donc ils allaient une manière de décourager les gens et nous disons au ministre qu'il doit continuer dans ce sens-là. Ndeko Mbenza pona ko zongela ye mama a lobi awa. So qui bo cha to changer ka constitution bo sa ni. Opposition za namo ya perte ya kala za ki so biso to lobi bo e mama to bo sa ni bande ko na biso ya IDPS na mangungu te. Pendant 4 ans to yokagi likambo ya loi chani yao. Jusqu'à ce que le bari pe na bango. Bokende na ngobo lekisango na Assemblée nationale totale. C'est bien de dire que tokubongola mobeko likondi. Bobongola. Bobongola, comme vous trouvez que le pays vous appartient à vous, et ça biso te, bon changer constitution. Bon changer constitution, il suffit pas dans ma matinée politique, commencez les démarches pour changer cette constitution et vous allez trouver le peuple face à vous. Peuple au besoin qu'on va repérer sa biléité. Au besoin que sa main ina courante. Au besoin que sa moussalate. Yo wana bo lingi a yako. Comme on a nengi bo kout sala chousou. Plus d'années au pouvoir. Est-ce que le peuple est avec l'opposition d'aujourd'hui? Puisque depuis que le banda a tout sala. Comment marche. Oh nini. Ville morte. Tant mon côté au sala. Maman. Bato ba sala qui va ville morte. Bangoyo pendant 37 ans. Voilà ce que nous propose au pouvoir. Zéro résultat sauté. Kagama loba des discours dans les plateaux de télévision. N'a pas promesse non respectée. Bisoto lobi boye. Nous prenons notre peuple à témoin. Peuple au loba qui a voté à 73%. Toto soyez à témoin. Oh, les lois en maïta dans la courante. La population n'acceptera jamais que M. Félix Tshisekedi aille au-delà de 2028. Bisso ensemble pour la République dans Moïse Katumbi. Nous allons utiliser les moyens démocratiques. Pour empêcher la révision, il y a constitution au repos, va toucher à ta virgule, mon côté. Parce que cette constitution a été choisie par le peuple. Et ça dit Kabila Tenda Yagi n'a imposé. Non, le peuple a voté cette. Ceux qui vont appeler ça au référendum, alors nous leur disons que nous ne pouvons pas aller dans un référendum tant que Bandegonabiso et Abunagana Bazana Nukuna. Parce que ça leur concerne aussi, c'est une question nationale. Puisque nous avons nani pour tout pays qui va empêcher le quoi. Na bandele loko na lobagi awa les partis politiques de l'union sacrée soki IDPS azali ko s'entêter na makambo ya révision en constitution bo se désolidariser na bango faut laisser le peuple à constater que bado sa le loko mokoti statut même ya IDPS ba za respecter te statut ya IDPS ba respecter ba te bon bobe ko li kondi ba respecter tout nan de kwazali en face awa président AI terme wana na condamna na statut ya IDPS azali président AI au Kabou Yazal et le président AI. Tout n'a rien d'écho. N'a pas texte ni n'a IDPS va prévoir président AI. Exacté. Donc des gens comme ça, Bagouya, va boutiquer une constitution, ben pour imposer, on a tout un peuple. Nous disons que, et que les cas qui moquent. Mais attends, vous avez dit que vous avez dit que Martin Fayoulou, t'as là-bas trop, le but au fond, on a pas mis ça tout sur la cohésion nationale. Na makanisi ya kobengu ya kobongo la mobeko likondi ya ngo pe moko ba sije entre intellectuel biso to ko yate ndeko Félix Tshisekedi azali ko échouer to ko constater échec na to ko zo peuple a témoin pour que na 2028 to zo mo kondia sika ko tambu se kolo de manière correcte. Très bien matin de mingi ndeko mutombo malobombo kawayo gouvernement soumis noir les 6 engagements, est-ce qu'on en parle encore maman? Nous avons pas 6 engagements, maintenant répondre à Ndekolangaï. Ndekolangaï, il faut tout y. Ce qui est le but d'un analyste politique indépendant, il ne faut pas seulement avoir le pouvoir. Nous avons un débat dans la Ebing. Ce qui est le but d'un débat, c'est qu'il y a un pouvoir en opposition. Le débat sur le côté, le débat est là, nous avons une divergence d'idées à tous les niveaux, à toutes les étapes. Nous avons Colat sera casquette moro tété. Naza pe honte té na son té ko lobake. Nazo partager vision à IDPS. Na ko yebi sa yonde ko na ngai. O yebi espoir régime na bino bomemaka. Mutu té té la ka Kabila motema. Na mboko to ko lobate ke Kabila décevra bato. To yebi comment Kabila yaki na pouvoir.
toi, comment Kabila s'est imposé à chaque processus électoral, à s'imposer qui barre partout. Mais tant Félix Tshisekedi, Tata Mokonza Mboka Zubokonzi, c'est un espoir pour tout un peuple. Un espoir à la population congolaise dans son entièreté. Les autres ont dit que vous ne faites rien à pouvoir. Vous avez même classé ma priorité. Il y a pas besoin de la population. Ça fait de moi opposition, je l'assume. Je l'assume, je ne partage pas la vision. Il y a une dépêche. Non, non, banim. Que le mot IDPS aujourd'hui, bon, ça, synonyme, il y a déception. Roi, mais ça m'a dit maintenant qu'au salon, il y a IDPS. Je vous dis la vérité. Vous avez déçu le Congolais. D'abord, en termes de priorité, parlons des 6 engagements que vous avez. Qu'avez-vous fait pendant ce deuxième mandat? Parce que les 6 engagements aujourd'hui, Ezali, na deuxième mandat à président. Deuxième mandat à président, priorité dans votre changement de constitution. Priorité dans votre changement de constitution. Dans le deuxième mandat président. Alors que les 6 engagements, tout le monde a signé. Aucun pour toucher le secteur le plus sensible. Il y a un fonctionnaire, je vais te vous dire la vérité. Donc, il y a un état général, Yannan. D'abord, pour votre information, les premiers états généraux à justice, c'est ça le matin. Ils vont gaspiller l'argent du trésor public pour rien. Parce qu'ils ont déjà un résultat, il y a un état général. Ouais, ça le matin, sous Maman Rose, sous le ministère de la justice, il y a Kala. On pouvait partir de ces résultats-là. Ministre de la justice, après, se touche Néa Asika. Et puis, ma convoqué Libosso. On touche les camboires à fonctionnaires. Je vais vous parler des magistrats. Est-ce qu'on a dit que les magistrats, par exemple, les catégories, il y a pas employé à l'État les plus malheureux dans Mbokao? Ah bon? Je vais vous dire la vérité. Les magistrats, population congolaise à la Nangaï, les magistrats, ils ont dit les seuls secteurs, il y a pas tout, ils ont même la décolle finalité. Ils ont la soin de l'icôté. Magistrats congolais, à ça, la Kamoussa, là, dans Mbongo, na Yemoko. Le magistrat congolais, Asala Ramoussala Nambongo na Yemoko. Ce qui a Béli, moi n'a eu à Béli, Yemoko n'a pas eu à Nambongo na Yemoko, qui est au hôpital de Kokani, na Makoki na Yemoko, qui a se soigné. C'est ce Félix Tshisekedi a changé l'île. Quand on vous dit cette vérité en face, ça fait de moi opposant. Je m'assume. Je m'assume. Le magistrat congolais, Nambongo l'État après sa carrière, c'est de la mafia organisée. Ce que vous avez dit, la mafia, la justice, il y a moins la mafia. Dans l'État, c'est un magistrat congolais. Un budget prévu pour le magistrat congolais. 70% qui n'a pas fonctionnement à la justice, n'a pas de fonctionnement. Aucun magistrat touche à Kayango. Pour votre formation, tu es du pouvoir, allez vérifier. Je ne viens pas ici faire l'apologie des individus, moi. On va tout en avoir un débat en athée. Débat pour la zone, on a commis ça à battre. Les terres ont des alliés, ceux qui ont des malades, on doit vivre dans le monde de Moussoussou. Ceux qui ont des terres ont des alliés, Moussala a mis son jeunesse, tout ça, dans le monde de Moussoussou, que tous les gars ont été apologie à Batou. Tu vis dans ton monde, les Congolais souffrent. Donc, 30% dans le monde magistrat doit bénéficier à 30%. Dans 30%, ceux qui ont des alliés, ils ont des alliés, ils ont cotisé pour naïe. Ce qui a béni à Zana Mboka, quel hôpital, moi, là, il y a mon grand, mais moi, là, l'hôpital, il y a ma coquinaille. L'État, il pas moi, en charge de. Pas ça, la moussala, puis qu'il n'a pas payé, il y a mon grand, il y a ma camouane, dans l'État général, il y a les gars qui passent, il y a le bélat, il y a. On en a parlé. Pas ça, là, nous. Tant qu'il y a, il y a le discours de l'État général, alors qu'il y a le bonheur, c'est ça, le bâti. Le seul ministre. Pour nous, on a un gouvernement soumina. Mais sur le voilà congolais, bas congolais, tout le monde n'a aucun signe. On a pour nous qu'on à congolais espoir. On pose une question. On pose une question à Rana Mbekonanga. Il y a ensemble. À tout niveau, ceux qui, population, ils ont un gamme laïe. Population, ils ont un gamme pouvoir. On peut avoir un désespoir. Pourquoi espoir, il y a un congolais qui me mène qui n'a pas de bonjour. Kabila n'a jamais déçu le Congolais parce qu'on peut la redécevoir. Il faut que nous soyons là où nous thème. Mais pouvoir, la population congolaise et congolais est là qui a mon thème. Donc, même à moi, mais quand même, ma manifestation, c'est le mot Lambo. Tout à l'heure, je suis témoin Lambo.
Likambu, tu as reçu les bases d'engagement à Bango. Emploi, basalini. Na emploi, aloba. Gouvernement soumine. Bah si ni ne pas Bango. À autre temps, entreprise, il y a ni ne pas boisson. Tata mon comme quoi qu'elle est. Pour les années Makambu, ça les mine à 5 ans passés. Moi, je suis un ami qui est la lobby. Et ça, c'est mine. Toujours le gouvernement, c'est mine. Tant qu'il y a un lobby, à l'oba qui a 5 ans même temps pour l'oba. A cité ma projet dans le coup de la réalisation. L'ensemble. Mais ça, c'est un chantier. Nous sommes les autres. Nous sommes les autres. Et vous, mais la rappelle, c'est Katani. On va me détourner. Ah, on dit comme on dit, on dit qu'on a la parole. La martyre, les amis. Arena. Arena, vous avez la Azotanga pour tromper les Congolais, il prend les projets du gouvernement passé et actuel à s'initialement attendre comme la réalisation dans le milieu du chef de l'État. Ça, c'est mentir, c'est de la démagogie. Merci. Du mensonge. Nazozongi Layo, toi aussi, c'est un Nandeko Ndeko Joseph Mbenza, votre mot de la fin. Namo de la fin, maman, parlons de la Constitution. Et le roi, le bagage de la Constitution. En une minute, que retenir de votre passage sur ces plateaux? Un homme qui se prévalait d'être indépendant aujourd'hui, il assume son opposition. Voilà mon travail. Oh. Oui. Donc, Bimib Mako, donc désormais, invitez le commerce. Monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, quand vous parlez, pardon, Landa. Tolérance. Là, ça s'agitait. Ouais. C'est quoi, yo? Et lui, ça n'a pas si dans mon thème. Je vous traite comme un avocat. Il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. J'évoque Montesquieu, principe et à séparation du pouvoir. La Constitution confère que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui élabore leur budget. Et que leur président a quelque déposé en gros et l'exécution est qu'il y a conseil d'État. Ce qu'on pas il y a exécutif et Zawapi. Mais je connais ce que c'est l'État. Comment fonctionne l'État? Monsieur, au Salimi Toto Abayombe, Koti Bobimi, on a la pêche au cas qu'un principe beaucoup simple. Le Conseil supérieur de la magistrature est indépendant. Et donc, pouvoir exécutif, écoute, on a marre de la volonté. Nous avons déjà calmé, pour votre information, à déposer déjà. Parce qu'on a 2025, le gouvernement a libéré Maram Nabango. Parce qu'on a autonomie de gestion administrative et fonctionnement de Bango. Madame, ensemble de Moïse Katumbi, qui nous menace, moi je n'ai pas dit, oui bien, je suis allé dans tes propos, ou menacer Bissot. Et on a le bisou qui tout ça, j'ai un bossa. On a le bisou qui tout ça. Finalement, ils ont monté la fin des cours. Vous, votre parti, hein, parlons-en, c'est un minuscule parti. Il faut vous mettre à votre place. Qui n'est basé qu'au Katanga? Deuxième, mais où tu connais quand il faut le reconnaître. Attendez, en cas sociologique, il n'y en a même pas. C'est au Katanga seulement. Et c'est un parti politiquement de fainéant. Je ne dis pas dans leur vie, hein, mais politiquement de fainéant. Moi, je ne vois pas mon frère Maïs dans une lutte politique qui a terrain. Je ne vois pas Christian Mwanda. Bourgeois. Ce sont des fils à papa, des vieux capitaines de Moïse Katumbi. Je vous dis, deux de l'opposition, nous, tout ce qu'a dit de paix, on a obtenu, c'était par le rapport de force. Ce n'était pas de cadeau. Non, madame, comptez le nombre de morts qu'on a subi. Compromis à l'africaine. T'es mal aimé. Je voulais, madame, ici je parle à haute intelligible voix devant le Congolais qui nous suit. Si vous êtes vraiment fort et que Binombalé, le peuple n'est pas avec nous, décrétez une ville morte dès lundi prochain. À quoi sert la ville morte dans la vie d'une nation? Au moment où on a ce qu'on a, ce qu'on a là, c'est Bino politique. Bino opposant. C'est-à-dire, la télévision, pour le cabo, ça n'a pas débat. Ce n'est pas ça. Bah, vraie politique et ça, la banque, hein, vous concevez une idée, une stratégie, vous la mettez en place et puis simbi. C'est-à-dire, il y a des marches, il y a des villes mortes, ce sont des moyens de pression pour faire reculer le régime. Mais qu'avez-vous fait pendant 6 ans? Parce que vous voulez qu'on vous donne ça sur papier comme ça, comme des petits enfants, que on a dit, non. Montrez-nous vos biceps. Okay. Ah, biceps. Mais oui. Mais ça, c'est la menace.
Ça, c'est la menace. C'est pas le biceps ici. Ce sont les idées. Ce sont les idées. Ce sont les idées. Vos villes m'ont servi à quoi? Opposition républicaine. Maman Naomi, je pense que Namboka Oto Yebani, nous savons comment est-ce que Bande Konabi soit IDPS va comment à pouvoir. Ça, ce n'est plus un débat. Mokil Mumbaba Yebi. Ensemble pour la République, to lobby que révision de la constitution Oyo, to zali pour Yangote. Parce que le pays a beaucoup de problèmes, le pays a beaucoup d'urgences. Au bandeko bako salaté mais tout moni que babandi malembe ko pesa makanisi pona ko bongola to pe ko simba mobeko likondi biso to lobi que e ko simba soki mokete parce que en faisant ça na makanisi na bango ezali ninge de ko beta zoloba bozana masité bozana de l'autre côté pas de problème constitution yango na bo changer mamika ba changer mama ba changer. Na tout n'agit de quoi, bah na loi tiani, et que n'awa. Si les lois dans la tiroir et mbosso, bah mon attend n'engini na oyana mon assemblée nationale. Bah changer constitution. Pour na bango bazo kanisa que le ko na tuzali minorité au sein des institutions selon bah chiffre ya kadima parce que outi ko loba que Moïse Katumbi a 18%. Non, Moïse Katumbi ne peut pas être battu par Tshisekedi lorsqu'il y a une élection organisée de manière sérieuse. Tu sais qu'il a organisé Katumbi une élection Oyo, ils allaient organiser de manière correcte. Ah bon? Oui, il y a un peu de rejeté même par résultat, on a eu le deuxième, tout ça, ça ne nous regarde pas. Ton lobby n'a pas de quoi, il y a UDPS, priorité n'a pas de quoi, il y a transformé Congo en Allemagne d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu de quoi, il y a un peu de sur le plan, il y a combien de kilomètres de route? Parce que on vend un rocade et tout ça. Et puis, il a cité que deux provinces. Kinshasa na Katanga. Ceux qui battent les lois là, Katanga, 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 Kinshasa. Ils sont là pour trois provinces. Bangoning Baza. Tout n'a une réalisation au gouvernement à Owele. Province à Owele, Olomami et Zani. Aïe, Bissabiso. La province à Mongala, Boutongi, combien de centres de santé? Il ne pourra pas le dire parce que on lui a envoyé des histoires sur WhatsApp là qu'il est en train de nous balancer ici. Nous disons que Mbo Kanabiso et Koke Deliboso lorsque nous allons respecter le texte. Merci. Il dépasse la ligne constitution OT. Tant mieux. Toko Matina 2028. Bakéi et nous allons voir. Un mot pour ce qui est arrivé à votre ancien camarade du parti Ndeko Jacques Ndala qui a été violé selon ses dires Naba Aloko Anya. Bon, Ndeko Jacques Ndala, d'ailleurs, Nazali ko exprimer soutien à Panayo. Et Panayé, pardon. Toloka Bio et Bimagina par réseaux sociaux. Il y a une dame qui s'est. Ou à l'oba qui que azali auteur topé complice au commanditaire ya oué comme la kine de Kojakindala de Kojakindala à l'oba qui polé le kizagi ya solo bongo avant hier a kende ko déposé plainte l'obibé azala qui n'a parqué pour que a kende ko kotali sanaba zouzi n'engendi a moni makamounia sou salama pour que basamba parce que madame Denise Ouana azali moto ou azali au dessus à mibé côté n'de place to lobby violation à constitution to l'oba yango. Idée à ma service, c'est allé nini. Tant que vous filmez, moi, si vous avez un bakangi, vous avez un bureau, vous avez un bureau, vous avez un président d'Azali, était président mal à l'aise, tout ça. C'est quoi l'idée de service? Il y a un filmé, pendant que vous avez une preuve que Daniel Safa est vivant et zate. Pourquoi vous avez une vidéo ici quand vous avez Daniel? Ça, c'est le spectacle. Cette femme a commis l'élo parce que. Elle a été encouragée par certaines autorités ici. Elle s'est vantée ici à menacer Batonion en citant les noms des gens qui vont soutenir. Nous l'avons tous vu. Mais aujourd'hui, jusqu'au point de discrétion. N'est-ce pas là, état de droit et ça non, maman, Wane Zali mascarade. Wane Zali mascarade. Toko Zelake. Ma kamboué salama de manière logique. Ndeko Jakinda la bande de Beleba Koloba. Pourquoi porter qui plainte cité avant? C'est parce que maman Likambouya viole surtout sur un homme. Hein? Jakinda là c'est quand même quelqu'un qui a un nom quand même. Ataya Mouké na Mboka. Dire ouvertement qu'il a été violenté. Au moins ils ont touché un peu ma sensibilité. Mais il y a des examens médicaux ou à Salaki depuis. Non, il y a des examens qui ont été faits depuis longtemps. Et que Ndeko Jakinda la lelo, et puis plein de lobbies que ce soit salé au mabé lelo, ou igolo baga lelo. Attends, le lobby après 100 ans, mabé, tika la gamabé. Très bien. Donc, toi, tu sais, ça va Ndeko Mbenza,
on est à soutenir bah Denis ou bah Musée Kindingu parce que immoralité à l'élo bah tu vois là tout le monde a bango n'a pas tout le monde a bango n'a pas conduit à côté maman gana zaki na makanisi ya kope sa nande ko bumba pona makambo ya transport a commun na ville à Kinshasa na senga audience ata mukolomo ba pesa ngote na senga audience pona kutana ministre mercredi ba bolo sanga de ministre da ina tenté mais le même mercredi a ko sa la vidéo na Musée Kindingu na bureau na iba za kobina donc faut comme ce sont des gens oh bah basali donc essentiel pour nabango c'est de la distraction bah détournement de magamususu très bien maintenant demain gende ko mutombo malubona yo ya suka pour na yusha le que retenir on retiendra de moi de mon passage ici maman et que puis que gouverne le régime actuel bah il faut classer ma priorité à mon côté régime actuel bah il faut classer ma priorité à mon côté tuibi pour nabango priorité zali travailler pour le prince le col est salé, ils appellent les lotés, ils bandit les lotés, ils bandent à Kala. Ma constitution depuis à 67, ils ont là qui modifié pour l'adapter la condition et chef de l'État. C'est une situation malheureuse et en bon cannabis. On retiendra de moi, maman, ne connaissant pas Zongeli de Kamboua pouvoir, il y a pour la route, c'est dédouaner un paiement, traitement mauvais. Il y a un magistrat à l'objet que ils allaient conseil supérieur à magistrature. Ils ont un mode opératoire et régime actuel. Quand il s'agit de dénoncer le Kamabé, ils ont été sautés. Maman, aïe, il y a un conseil supérieur à magistrature, le code des arts indépendants, c'est le cadre de concertation entre ministres, ministres et conseil. Place où on a des exécutifs à la réalité à pouvoir judiciaire. Ils ont un cadre de concertation, ils ont légal. On retiendra de mon passage ici que l'État a sa libération conditionnelle. Jean-Marc Kabound, qui a été condamné pour 7 ans, a zali na ba condition requise conformément à la loi pour la libération conditionnelle. Na ye. Mais dossier, il y a un mot qui a été mis en Okara. Cette kikouni, l'État a dit qu'il y a un reproché. Mais. Aïebake, et la kisate que ma service à sécurité dans Bistonios, ils allaient incapables de gérer cette qui coule sur Kabimi Libanda. Ba pesa yé liberté. Pour n'avoir mais là, il n'a encore son liberté provisoire. L'État qui coupe sa liberté provisoire parce que, à sa caractère politique, il était, parce qu'on a casquette d'acteur politique, cette qui coule à certains entrepreneurs congolais, derrière lui, des milliers de familles va vivre. Nous allons y aller à la parole. Donc, il y a aussi Mike Moukeba. 17 mois sans jugement. Ça, c'est le respect de la Constitution. Commission Wana, commission au bâtiment, ministre de la Justice Atali, à Kouri Kotala, Pelikamouya, Bakawana, Ponako. Qu'on l'avait image là-bas, moi, merci beaucoup, Maton Domingue, mon Amboka, Maton Nabino Bolandibiso partout à travers le monde, des équipes en Congo, Tolinga Congo, Tobatila Congo et Totonga. Et Kolo Nabiso Tokutani, Miko Misaïko Yana m'a invité, moi, je mets toujours. Avec le même plaisir. Bon, début de semaine, non, nous sommes mardi. Qui met la beauté Nabino? Au revoir.